Fabuleux dans la dynamique de Learning Tour, de l'Open Agri-Food, du labo, de tout ce qui peut se passer, c'est le réseautage et faire en sorte que justement ces startups qui viennent de l'international et en particulier de l'Afrique puissent ici matcher avec nous et inversement, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'échanges à avoir. Et cette année, l'Open Agri-Food, la session d'ouverture qui est toujours sur une thématique internationale et sur l'Afrique et avec un focus particulier sur le digital, où trois startups qui vont présenter leur réalisation, leur domaine à La Roche-sur-Yon vendredi, vont aussi les présenter demain devant tout le monde, devant les 2000 participants de ce forum qu'est l'Open Agri-Food. Grosse composante agricole sur notre territoire. Et donc, en fait, on a envie de soutenir cette filière-là. D'ailleurs, on va investir environ 7 millions d'euros dans les mois qui viennent pour un campus dédié à l'innovation agricole. Et voilà. Et donc, en fait, c'était important qu'on soit là parce que demain aussi, on a l'ouverture de notre Open Agri-Food, qui est une sorte de think tank qui permet que tout le monde se parle et qu'on imagine les filières de demain de façon équitable.